Dites. Oh là là. Vous faites quoi? Bah, on joue aux poupées. Et vous avez vu l'heure? Donc là, maintenant, il serait peut-être temps d'aller se coucher. Allez, au lit, les filles. Oui, mon papa. Bonne nuit, hein. Allez, installe-toi. Allez, tu dis quoi ce soir? Ma belle Jones. Encore? Bah oui, j'aime bien. C'est vrai? Bah, c'est mon livre préféré. Tu lis pas trop tard? Non, je vais lire jusque 2-3 pages. Ouais, puis t'éteins, hein? Allez. Allez, bonne nuit. À demain. À demain. Bon, toi aussi tu lis? Oui. Et le deuxième, ma belle Jones. Allez, pareil que ta soeur, tu lis pas trop tard? Non. Vas-y, continue à lire. Moi, je vais rejoindre maman en bas, on va regarder la télé. Le fait d'être papa, ça permet aussi de lire autre chose que des romans pour adultes. Alors, on va éviter de rigoler quand on va prononcer le nom de l'auteur qui s'appelle quand même Will Mabit et qui écrit des romans pour enfants. Il a écrit 2 romans, Les improbables aventures de Mabel Jones et la suite qui s'appelle Mabel Jones et la cité interdite. Mabel Jones, c'est une petite fille qui un jour commet l'acte. Mettre son doigt dans son nez, ramener une crotte, la rouler, l'avaler. Ce que Mabel Jones ne savait pas, c'est qu'après avoir avalé sa crotte, elle se retrouverait sur l'Astico Féroce. C'est un bateau pirate, mené par un loup rusé, accompagné d'un crocodile chirurgien, d'un blaireau explorateur, d'une loutre, et surtout de chuchotis. Chut. Eh ben, ma belle Jones, elle va vivre des aventures extraordinaires pour réussir à regagner son monde. Ça, c'est dans le premier. Dans le deuxième, elle repartira pour sauver sa petite sœur qui était kidnappée par une méchante sorcière. Elle va vivre des aventures en mer, elle va rencontrer des princes, des singes, des petits garçons. Elle va découvrir un monde qui ressemble énormément au nôtre, mais qui n'est plus du tout le nôtre. Chine. Alors si pour vos vacances, vous savez pas où partir, rejoignez les aventures de Mabel Jones. Mais attention, parce que Mabel Jones n'a peur de rien. Je m'appelle Maggie et je n'ai peur de rien. Je m'appelle Mabel Jones et je n'ai peur de rien.